Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Fallage Chatter pour continuer nos aventures, donc c'est parti. Normalement on devrait faire à peu près deux épisodes et puis récolter une quête, ben on va récolter normalement un Mr. Andy. Donc Mr. Andy, ben ça va être simple, on va le mettre dans une des lignes qu'on n'a pas encore utilisées. Donc le but ce sera simple, c'est si on a des Mr. Andy... On va s'amuser à les mettre, tout partout. Et ce qu'on aura en trop, éventuellement, on le fera partir dans les terres désolées. Donc là, c'est parti, on va faire les spéciales, hein, tout de suite. Pas oublier que c'est très 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 important. Là, ça a l'air d'être bon. J'avais fait une arme, non? Ah, Brutix. J'en ai pas fait. Ah, chiant. D'accord, bon, ça c'est pas grave, c'est parce que j'ai fait un signalement. It's okay. Pourtant, rien d'avoir le truc, mais c'est pas grave. Du coup, ça y est, je suis perturbé, j'arrive plus à trouver le coche. Mais non, mais c'est quoi? Ah, c'est triangle. On peut faire un fusil à plasma. Ok. C'est pas le mieux, mais j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Fusil à plasma. Alors. Le Baker. On peut pas le mettre en endurance. On peut peut-être le mettre en agilité. On s'en fout de... Battle Capi. Récupérer aussi les Steam Pack et Radaway. Les objectifs. Tiens, on peut enlever quelque chose. Les 14 feux. Oh là là. Ah, les incidents, on peut en créer. Hein, mais après. J'ai envie de vous dire. Voilà quoi. Hein. Ah, 2 jours et 50 minutes. Ouais, c'est du rare. Oh, légendaire. Ah, ça fait plaisir. Ah, du rare, c'est casse-couille. Par contre, elle a trouvé du légendaire. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est ce qu'il nous faut, hein, bien évidemment. On récolte. Là, c'est que du bonus. C'est du pognon. Et un Mr. Andy. Mr. Andy qui vaut normalement de l'argent réel ou sinon il faut faire une quête. Donc c'est plutôt cool. Alors ici on a une quête chiante. Je sais pas, c'est les personnages à l'aise ou pas là? Ah non. Le balèze il est là. Quel gros balèze. Tiens. Oh non. Oh, vous êtes chiant. Oh, je vous déteste. Oh, je vous déteste. Mr. Andy. Je peux venir, lui, ou pas? Ah non, il va venir qu'après. Évidemment. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas mettre dans chaque pièce. Enfin, sinon, là, ce serait fini pour les récoltes. On ne fait que ça, et c'est le bonheur. À 17 000. En soi, on pourrait agrandir l'abri, mais bon. Je ne suis pas. Serein. Ils vont mourir, hein, vous inquiétez pas, ils vont mourir. Et voilà. On va faire test de l'arme secrète. Vu que c'est un résident, et puis peut-être que ça va nous permettre de se casser plus vite. Mais je crois que c'était une 10 heures. Pas sûr à 100%.
Alors, on va le tester. Hein. On est déjà bien blessé, hein, tout de même. Ouais, là, ça va faire mal. Ok. Alors, tu peux pas avoir ta prime de risque. Une peu, point. On va le faire. Oh, une arme toute pourrie. Oh bien. Les caps. Ah, les caps, ça me dérange absolument pas. Hein. Vous pouvez, sans souci. Bon, des incidents, on peut en créer, c'est un petit peu chiant, mais bon, on peut en créer. J'hésite à faire du coup des pièces pour les armes, mais bon, pas hyper rentable. Ça peut l'être, mais c'est pas non plus. Quoi qu'après. Ça peut être intéressant. Et boum, petit x5. J'espère ne pas mourir. Ok, bon c'est pas fou encore une fois, mais bon on prend, hein. On prend. Eh bien c'est que les rats de cafard, on peut les tuer en un coup. Qu'ils soient assez fragiles. Quatre étages et c'est la fin. Ah. Là, c'est plus le one shot, hein. Ah, ils sont plus résistants, je pense. Ou alors, vraiment, j'ai pas eu de chat, là. Ce qui est possible. Mais je peux vous tuer, on n'en parlera plus. Ah, oh, je crois que si. Je vais juste le sentir passer. On s'en fout, 2-5 c'est bon, ça suffit amplement, mais vraiment amplement. Ok. Nickel. Bon, il n'y en a qu'un, Nuka Cola, mais
Ouais, c'est intéressant. Un top, moitié, ouais, pratiquement. Je sais pas, je m'en doutais. À peu près, hein. Ah, là c'est cool. Un par un, vous allez mourir. Mage. Trois coups pour les tuer. Dommage. J'aurais préféré en deux. Ils sont quand même plutôt agiles. Ouais. Ils sont plutôt agiles. Je vais pas le voir. Qu'est-ce que ça va être comme notre ennemi? Allez, on peut en finir là. Bientôt fini, on est aux deux tiers. Je crois que le chien attaque là. Fait un peu de dégâts. C'est bien le toutou, c'est bien. Ouf, l'équibole, bouffe. Mange, laisse ton os. Ok. Ouais. Trop violent pour moi ça. Un pistolet. Ouais, c'est pas fou. Bon, là on est bientôt arrivé à la fin. Et hop, le petit x3. Ça déménage. Bon, là, je suppose que c'est le dernier ennemi à tester. Ouais, dis bonjour à mon gros copain. Bon, c'est ça. Dommage, c'est là que j'aurais dû utiliser mon fameux. Coucou critique, coucou coucou critique. J'espère que la dernière pièce c'est une grande pièce. Juste une grande. Comme ça, ben on est tranquille. Thank you.
Eh ben voilà. Ça c'est parfait. Grande pièce. Voilà, parfait. Ouais, bof. Bon, on a fini. Allons-y. La quête était plutôt longue tout de même, parce qu'il fallait le temps de faire tous les étages. On n'a pas la meilleure des armes non plus. Mais bon. Ça reste correct et je vais le prendre parce que j'en ai besoin. Pour 1000. À la limite, tu vas me prendre celui-là. Regarder des petites choses. Ah, j'aurais pu enlever celui-là en fait. Il m'intéresse tout de même. Bah, c'est tout. On verra bien, les amis, dans le prochain épisode, comment ça va se tramer. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Fallout Shelter. Allez, salut à tous, les amis.